En 94, j'ai fait un portrait de Riopel. Le mur était vide. Alors, j'avais dit à la personne, si vous voulez, je vais accrocher un portrait de Riopel ici pour faire mettre quelque chose sur le mur. Le temps de faire mes quatre tableaux. Après avoir fait les quatre tableaux, j'ai demandé à la propriétaire, j'ai dit, qu'est-ce que les gens pensent de cette peinte-là? 85% des gens ne connaissaient pas Riopel. Alors, à ce moment-là, en sortant de l'établissement, première question, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Je me suis dit, il faudrait que les peintres québécois aient plus de reconnaissance. Alors, d'où est venu ce concept de faire le portrait d'un peintre avec un de ses tableaux. On parle de Riopel. Il vient justement de vendre, il y a quelques semaines, un tableau de 11 400 000. Pas lui, c'était à Lancan, là. Mais c'est sûr qu'au point de vue notoriété, si on veut, je pense que Jean-Paul Riopel, présentement, c'est le top. Là, m'est venue l'idée de faire des tableaux comme ça, la photo du peintre avec un de ses tableaux en arrière, tout au fusain, puis avec une biographie. Si on peut aller chercher dans différentes décennies, certains peintres qui ont marqué ce temps-là, à ce moment-là, on pourrait avoir une histoire globale de la peinture qui s'est faite au Québec. On est toujours influencé. Je pense qu'eux autres ont influencé. Aujourd'hui, on a Internet. C'est plus facile pour les documents. Mais à ce moment-là, il fallait que j'aille aux archives à Québec pour essayer de trouver des photos, des portraits de tableaux, ainsi de suite. Je cherchais des peintres, puis un visage... Il y avait des visages qui sortaient, là, faut dire... J'ai dit, regardez, Joseph Légaré. J'ai dit que si je veux écrire l'histoire un peu de la peinture au Québec, ça en prend de toutes les décennies. Parce que même aujourd'hui, il y en a des sacrés bons peintres là, que je pourrais faire. Parce qu'il n'y a pas juste cette période-là. Vous en avez là, des bons. Là, vous prenez Courteau, Charest, puis en tout cas, les nommez toutes. Si je trouvais, comme je disais tout à l'heure, une belle photo, ben, je commençais par ça. Parce que si je ne trouvais pas la photo ou si je ne réussissais pas à faire un beau portrait, alors je passais à un autre. Ça, voyez-vous, c'est ça. Ça, c'est ma Corelle Fortin, mais c'est pas beau. C'est pas... Alors, je l'ai mis de côté parce que c'est pas lui. C'est pas... voyez-vous, ça c'est ma Corelle Fortin. Ils vont dire, ben là, tu l'as, la photo. Mais ça, c'est quand il est à l'hôpital. Dans le fond, en réalité, il n'est pas en habit, il est en pyjama. Mais ça, j'ai plus cette photo-là. Je sais que c'est lui. Alors là, j'ai commencé à faire des expositions parce que je voulais faire justement pour intéresser les gens. Naturellement, j'ai pas pu continuer parce que j'ai eu des commandes de M. Paul Desmarais Junior, M. Péladeau, Pierre Péladeau, tu sais. Le premier ministre, Mme Pauline Marois, ses parents, tout ça. En tout cas. Alors, puis là, aujourd'hui, bien, j'essaie de recommencer. Parce que suite à ce que les gens... Il y a plusieurs personnes qui ont vu les tableaux, qui ont dit, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Je veux dire, ils laissent pas ça mort, là, même. En espérant qu'à un moment donné, je vais intéresser un collectionneur. Le choix de l'acquéreur n'a pas d'importance. Tout ce qui est important, c'est que ce soit un acquéreur qui veut la série au complet de ceux qui sont là, puis en plus de ça, de me donner le mandat de continuer.